Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Loremakers Guide to the Galaxy, qui est à nouveau séparé de l'ATV et qui portera sur le système Kano. Le système Kano a été découvert en 2463 par Tabata Caster, peu de temps après le premier contact avec les Banu. L'humanité ayant donc découvert qu'il n'était pas seul et ayant réussi à coloniser le système Virgile, il a été rapidement décidé de coloniser autant de systèmes que possible. Tabata ne pouvant pas voyager par ses propres moyens étant malade, elle acheta des données de scanner de plusieurs vaisseaux revenant de mondes frontières, comme Virgile, Davian ou Bremen. Elle analysa ensuite les données des trois différents vaisseaux pour trouver des preuves d'existence de Jump Point, ce qu'elle réussit, puisqu'elle remarqua une erreur similaire dans toutes les données dans les bordures du système Davian. Puis elle embaucha Jamel Normon, qui était un nav jumper, afin de confirmer qu'il y avait bien un Jump Point à découvrir, ce qui était le cas. Le système fut donc baptisé d'une contraction de leur nom de famille, Kano. L'étoile au centre du système est de type G, similaire au Soleil. Fait surprenant à propos de notre Soleil est qu'il n'est pas absolument idéal pour abriter la vie. Les scientifiques se rendent compte qu'il est plus étrange de trouver des formes de vie autour des étoiles de type G que des étoiles de type K, qui se trouvent juste en dessous dans la classification. Leur durée de vie est donc plus longue et elles émettent moins de radiation, car les UV que produit notre Soleil sont potentiellement mortels, puisqu'à forte dose, ils provoquent des cancers. Il y a d'ailleurs un très bon article sur le sujet qui s'intitule « Sun may not be ideal for alien life » par Lisa Grossman, le lien est dans la description. Et c'est à cause de cette information qu'il n'était pas possible de savoir s'il y aurait de la vie ou non dans ce système. Allons donc voir de plus près la première planète, Kano 1, qui est une planète naine extrêmement proche de son étoile et qui lui présente toujours la même face. La planète a été d'une certaine manière entièrement visitée, puisqu'une de ses faces est entièrement recouverte de magma et l'autre non. Il n'y a qu'une petite bande au milieu où des structures cristallines très intéressantes ont fait leur apparition. La prochaine planète, Kano 2, qui se nomme Kartena, est une planète océanique. Elle possède des formes de vie qui se présentent sous forme de plancton, les Kanoniska, qui ont été découverts par le docteur Satomi Bechtel en 2898. Il s'avère que ce plancton a démontré sa capacité à cultiver des algues, comportement qui n'a jamais été retrouvé ailleurs depuis. Après cette découverte, un Fair Chance Act a été déclaré pour cette planète. Les personnes vivant à l'époque sur la planète dans des structures sous-marines ont dû se battre pour avoir le droit de rester. Ils durent promettre pour cela de ne pas détruire l'écosystème découvert par le docteur Bechtel. Il n'est donc plus aujourd'hui possible d'immigrer vers cette planète, puisque le Fair Chance Act la protège. Mais il reste la possibilité de la visiter lors d'un voyage touristique. N'espérez tout de même pas visiter la surface, qui elle est extrêmement toxique. Vous pourrez par contre visiter la grande ville de Kartena, où il vous sera possible d'acheter différentes choses et aussi de trouver des donneurs de missions. Et voilà pour cette planète océanique. Comme tout système, le système Kano possède une ceinture d'astéroïdes, qui peut être potentiellement riche en minerais. À ce jour, il n'y a quasiment pas d'exploitation minière dans cette ceinture. Non pas qu'il n'y ait plus de ressources, mais le Fair Chance Act protégeant le système, il n'y a pas de réelle économie qui se développe. Cette ceinture sera certainement très intéressante à visiter, puisque vous pourrez probablement trouver des stations minières abandonnées. Puis vient Kano 3, qui est une planète tellurique et qui est décrite dans le jeu comme une smog planète. Smog est un terme qui permet de décrire une planète possédant une épaisse atmosphère toxique et impossible à terraformer, comme Vénus par exemple. Ce qui rend cette planète intéressante est sa station de recherche pressurisée à sa surface, qui est entièrement dédiée à la recherche sur la terraformation de planètes de type smog. Et enfin, la dernière planète du système, Kano 4, qui est une géante gazeuse. Son visuel actuel dans la star map n'est malheureusement pas représentatif de ce qu'elle est censée être. Et les archivistes aimeraient vraiment que la planète corresponde à cette description, qui est une géante gazeuse de couleur verte herbe, avec des taches de rouille disséminées à sa surface, ainsi que quelques bandes de la même couleur. Ces taches proviennent d'impacts d'astéroïdes au fil des ans. Il est très difficile de s'approvisionner en ressources, car cette planète est très sujette aux tempêtes, comparée à d'autres géantes gazeuses. Mais il est tout de même possible de trouver de l'hélium et de l'hydrogène. À cause de son apparence, les locaux ont surnommé cette planète Pox, ce qui signifie variole en français. À savoir que le système Kano est aussi relié au système Pyro, par un jump point, et qui dit Pyro, dit pirate, à proximité de la ceinture d'astéroïdes. Cette émission est maintenant terminée, merci d'avoir regardé. Merci aux tipeurs. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Moi je vous dis à très bientôt, bisous des étoiles.